Aujourd'hui, nous sommes avec Abdella qui essaye donc ce SUV électrique. Voilà, donc tu disais que de l'extérieur fait plus grande. Elle fait plus grande de l'extérieur. Ouais, ça, non, elle est en route, hein. Non, mais c'est électrique donc. Là, elle est en route. C'est marqué ready. Yes. Alors, je vais mettre aussi ma ceinture C'est mieux. parce que là, elle est en train de faire donc ses préparatifs, ses réglages. Tout à fait, comme tout bon conducteur qui se respecte. Affirmatif. Donc, ça se conduit, je pense, comme une voiture automatique traditionnelle, hein. C'est ça. Hein. Oh, c'est silencieux. C'est agréable. Oh! Dis donc, ça envoie. Mais est-ce que ça envoie autant que la DS5? Non. Parce que la DS5, quand même, mine de rien, la DS5, franchement, en hybride, elle est très très bien. D'accord. Et Mais beaucoup plus puissante aussi. elle est beaucoup plus puissante. Mais oui, mais là. Mais j'avoue que. Là, il y a 140 chevaux seulement. Ah oui, 140. Ah oui, mais au départ, l'électrique, on le sent bien. On a l'impression qu'on n'est pas sur un 140 chevaux, mais un peu plus quand même. Ouais. Ouais, j'avoue. Et c'est perturbant le fait qu'il n'y ait pas de bruit. C'est perturbant. Bah Ouais. après, on peut mettre la musique un peu plus fort. Tu vois, ils ont. Alors, On est d'accord? justement. Vous ne nous entendez pas, on est d'accord? Non. Hein? On n'entend pas, donc on est obligé de klaxonner. Tu vois, t'es obligé de klaxonner pour avertir les gens. C'est dangereux. Hein? Voilà, il se promenait. Et lui, il fait un test de la voiture. Merci de cette Non, non, non. intervention. C'est Voilà. normal. On t'a pas entendu arriver. On est d'accord, hein? Ah, on t'a pas C'est de la merde. C'est de la merde. entendu. Niveau sécurité, c'est de la merde, moi je dirais. Parce que les gens, ils aiment bien quand ils entendent quand même un bruit. Ça n'ira jamais. Faut que le moteur, il parle, quoi. On est d'accord, faut le sentir, faut le vivre le truc. Ah oui. Hein? Là, Le genre, et moteur, check, il là, parle, le quoi. moteur, il tourne, là, genre, tu vois. Mais C'est vrai? j'entends rien. Ouais. Ça me perturbe. Hein. On est d'accord ou pas? Ah ouais, ça Moi, je perturbe. Pour moi, j'ai calé là. Non, ça va pas du tout. Hein. Hein. Ouais, c'est merdique. Non, Mais du coup, vous êtes intéressé pour essayer ou pas? Non? C'est quoi, c'est électrique? C'est une 100% électrique. Non, je rigole quand je dis c'est de la merde. Franchement, c'est. Non, franchement, ça envoie la patate par contre. Ah oui, après. Parce qu'il cherche une voiture, alors doucement. Et tu hein. cherches une voiture? C'est pas le moment. Hein. Non, mais pas tout de suite. Toi là, hey, je peux même pas te vendre du rêve. Tu sais, Là, moi, il faut que le moteur il Tiens, parle. je voulais faire grondir le moteur. Ah non, mais hey, on peut mettre une clé USB avec un bruit d'un V8. Ah, d'accord. Ça, tu peux. Juste pour lui faire plaisir. Hein? Après, j'avoue que niveau esthétique à l'intérieur, c'est beau. C'est beau. C'est perturbant, hein. On est Ouais. à l'arrêt, là. Ouais, on est à Ouais, l'arrêt. on n'est pas à l'arrêt. Enfin, le moteur, il est en route. Ouais, j'ai vu que c'est une électrique. Bah, tu veux. Vous voulez rentrer? Non, Bah, mais allez-y, on va vous entrez. On va déposer. vous On va déposer. vous déposer. Ah, mais c'est pas grave. Non, non, tourne. Et ouvre-leur la porte. Bah, c'est là-bas. En bas. Voilà, ça doit être ouvert. On est d'accord que c'est chelou d'ailleurs. Allez, Et c'est parti, dites-moi la vérité, est-ce que vous ne moteur. trouvez pas que c'est plus grand de l'extérieur que de l'intérieur? Elle est mieux Bah, attends, dans de la quoi c'est voiture. sûr? Non, parce Non, que c'est regarde, grand, c'est spacieux. ils sont Non, spaci... Tu non, ça vois? va. Non, non, moi je suis bien. Vous trouvez pas que c'était plus grand de Après, l'extérieur? non, pas du par tout. contre, pour une personne qui est grand, Ouais. T'es un gros bide, tu veux dire? non, qui est grand en taille, et qui Ouais. va prendre au niveau de l'espace, je pense que derrière tu vas pas avoir beaucoup de. Bah, Je veux détrompe-toi. me sentir Étroit. ouais, étroit. Oppressé. Oppressé. Ouais, je comprends. Il est joueur, il est joueur. Ah, t'as vu? Eh, c'est bizarre ou pas? Je me crois à Disneyland. Non, 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 Ah, non. ça fait bizarre. T'as vu? Disneyland? Et pourtant, t'accélères que dalle au départ, mais t'as l'impression que t'accélères que dalle. Bah, on est Mais en vrai, d'accord. t'accélères. Mais, hein? Mais parce que comme il n'y a pas le bruit, tu te dis, t'avances pas. Bah C'est oui, ça. mais. Mais alors qu'en fait, si. C'est chelou le truc. Je suis sûr que c'est chelou. C'est perturbant. Bon, comme vous avez pu entendre, hein, au début, il était un peu taquin, mais mine de rien, il J'aime commence bien. à prendre un goût, hein. Ouais. Peut-être que tout à l'heure, il va faire un bon de commande, hein. Non, je reste avec le DS5. Je sais même pas où vous alliez où en fait. Ah ouais, vous allez On est où? là, nous. On On est se là. balade, on se balade. Oh non, 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 Bon, c'est non, mais trop. après, à niveau puissant, j'aime bien. On se Bonjour. promène? Ça va Oui, bien? on se promène. Mais pourquoi ça? En plus, j'ai pas ma ceinture, je vais mourir. Ah ben voilà. Oh là 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 Ça, c'est là des là. passagers qui sont pas conscients. Non. Par contre, non, je te jure, je la voyais. Je sais pas, je vois plus haut. Je sais pas, ça fait bizarre. Après, je compare avec le DS5, tu me diras. Mais par rapport au Koleos, le Koleos, il fait plus 4x4. Ouais. Je te jure que c'est vrai. Ouais, sauf que le Mais on Koleos, peut il est tout le mourir. temps en panne. Mais ma ceinture,
que ça, en termes de panne, il n'y en a presque pas. Et enfin, il n'y en a même pas parce que c'est que du électrique. Et est-ce que tu as vraiment, sur le MG comme ça, est-ce que tu as du 4x4, vraiment du 4x4? Non. Du 4 alors, pas encore en France. Ça risque d'arriver, mais pas tout de suite. Donc pour nos petites campagnes, c'est mort, quoi. Bah pourquoi c'est mort? On va pas tester la campagne, là, les routes comme ça. Et en fait, tu les emmènes où, là? Je sais pas. Mais... parce que je crois que de base, ils devaient aller là-bas derrière. Hein. Vous allez vous balader, là? Ouais. Voilà. Bon, bah voilà. On va les déposer à Saint-Cyr et ils vont rentrer à pattes. Ils voulaient faire une promenade, on va les faire se promener. Merveilleux. Ouais, trop. Non, je sais pas, moi, je mets l'accélération, par contre, ça, c'est bien. Alors, on vient de déposer les voisins hein, qui... Et ils ont peut-être envie de se lancer dans l'aventure, tu vois. Mmh. Moi, je pense qu'il y a un petit truc à faire. Bah, écoute, il n'y a pas d'obligation, mais par rapport à la concurrence, c'est super bien placé. Ah, par contre, on peut pas dire le contraire. Par rapport à Lexus, tu prends... Ou même la marque française Peugeot et Citroën qui font de l'hybride, même Renault qui s'y met, forcément, t'es moins cher en MG. Et pourtant, j'aurais pas cru. Bon. Mais t'as kiffé là. Je kiffe un peu, je t'avoue, je kiffe. En plus le fait de se dire que tu peux rouler à peu près 200 bornes, on va dire. Je grossis le truc, hein. À l'aise, 200 bornes sans aller à la pompe à essence, pour 3 euros, c'est top. Mais... Bah là du coup ça ferait des économies pour une utilisation pour aller au travail. Je reste sur j'ai un petit bémol. Ben moi ça reste le problème de l'hybride. Le fait de se dire... Alors c'est pas un hybride là, c'est 100% non, électrique. Électrique hein. Ou hybride dans tous les cas. L'hybride, la sécurité que t'as, c'est que t'as une galère, tu peux aller. T'as un jerrycan d'essence, tu vas mettre de l'essence. Tu vois? C'est ouais. Une galère. Hybride, t'as ton voisin, tu sais, comme on est super solidaire les Français. Ouais. Tu veux demander une prise à quelqu'un, il va te dire va crever ailleurs, tu vois. ouais. Oui, ouais. Voilà. Donc, oui. Bon après il faut savoir que quand la batterie elle est 100% vide. Ça met quand même presque 18 heures sur une prise normale. Ça ouais, met 18 heures de charge. Est-ce que t'as pas un boost, enfin tu recharges? Après, tu peux me faire installer par exemple chez toi un espèce d'un booster. Ouais. Où là, ça va chuter à peu près 8 heures de charge. Quand la batterie elle est 100% vide. Je recharge 2 heures. Je vais au taf. Mon patron, il est d'accord pour me prêter sa prise. Eh ben, si tu vas au taf pendant les 7 heures, la batterie elle est chargée pratiquement à 90%, 95%. Et ce qui est largement suffisant pour que tu puisses rentrer. Parce que tu auras une autonomie de 200 km. Et est-ce que c'est pas bon de recharger à chaque fois trop ta batterie quand elle n'est pas déchargée? Ah non, du tout. Ah non, non, non. Non, non, c'est pas des batteries comme le téléphone portable. Hein. Ça, c'est des batteries qui sont faites pour, justement, plus elles sont chargées, et mieux c'est. C'est pas des batteries au lithium, là. Enfin, c'est du lithium, mais c'est si tu veux, c'est une autre classe déjà par rapport à... on est à un autre niveau. Il n'y a pas de... je vais recharger et puis à un moment donné je vais perdre de la puissance. Ça se joue mais c'est en année. Ah ouais ça envoie. Non, il n'y a pas à chipoter, par contre ça envoie. Puis même en termes de freinage t'es bien. Non franchement ça envoie. Non après on est pas mal hein. Vas-y. Par contre la tendance à virer sur la gauche quand tu t'accélères à fond. Mais non parce que comme la route elle est pourrie. Donc automatiquement, bah, elle se met à tirer, mais s'il y a une bosse, bah, là, la voiture, elle va... Et c'est pour ça que d'ailleurs, tu dois avoir un voyant orange ouais, qui s'allume. L'antipatinage ESP, ouais. Mais par contre, en termes de confort, il n'y a rien à dire. Même si il n'y a pas tout ce que j'ai sur ma DS, par exemple, tu sais, le repose-genou. Ah ouais. Attention, hein, on est quand même sur une voiture qui vaut... donc 23 000, là on a sur une version à 23 000 euros, c'est avec les aides de l'État, elle est à 18 000 euros. Hein. Ouais. Mais elle est à 23 000 euros. Une DS5, tu es en train de comparer avec une DS5 qui, neuve, coûte quand même dans les 50 000 euros. Ouais, ouais. Il faut comparer ce qui est comparable. Donc effectivement, sur une 100% électrique, ils vont essayer de enlever le maximum de poids aussi. Ouais. Parce qu'on te rajoute des options par-ci, par-là. Par exemple, là, on a les sièges chauffants. Ouais, bah comme ma DS. Tu vois, alors que sur ta DS, les sièges sont chauffants, mais ils ont que le nom de chauffant. Parce qu'ils ne chauffent pas. Ils te tiennent le popotin à l'abri du froid.
En aucun cas, il te brûle le trou de balle, j'avoue. Je te l'avoue. Je te l'avoue. C'est pas comme sur le Volkswagen. Voilà, sur Volkswagen, tu crames. Tu chopes un coup de soleil. Voilà. Et de la luce. Là, non. Là, c'est plutôt un chauffe-biberon. Un chauffe-biberon. Non, après, j'avoue. Et après, regarde. Apple CarPlay. Ouais, j'avoue, puis Android Auto, j'avoue que c'est pas mal ça. Non, j'avoue que par contre, après, en termes de tout ce qu'il y a, ils ont mis quand même par rapport aux SUV, ils ont quand même mis des amortisseurs, des choses. Regarde, caméra de recul. Ouais, non, j'avoue, ils ont mis. La barre est haute. La barre est haute. Je te l'accorde. Et le côté, ce qu'ils ont fait un peu à la Range Rover, je trouve ça super sympa par contre. Alors ça, la boîte de vitesse, c'est de toute manière, la tendance actuelle, hein, c'est que tout le monde met une molette. Ouais, Range Rover l'a fait et je trouve qu'ils ont assuré. Et MG, franchement, on sort pas trop mal. Bon après, tout ce qui est plastoc, hein, ça reste du plastoc comme toutes les grandes marques même. Ouais, mais regarde, plastique de bonne qualité. Ouais. Hein. Non, je te l'accorde. Regarde, même le dessus là, tu vois, ouais. C'est du plastique, mais ouais. Molletonné. Ouais, non, je te l'accorde. Toit ouvrant, regardez, le toit ouvrant, il est bien ouvert. Hein, quand l'équipe de France, quand elle daigne de gagner, bah, on peut sortir nos têtes et les drapeaux, mais bon, en tout cas, c'est pas demain la veille. Après, il y a quoi comme version de ça, enfin, en termes de qualité? Bah, il y a que, là, c'est la version luxury, donc c'est la version toute option. Toute option, celle-là. Voilà, et après, tu as la version confort. Ouais. T'enlèves juste le toit ouvrant. Ouais. T'enlèves le cuir. D'accord. Et il y a un autre délire, attends, c'est quoi? Il y a un autre truc, je me rappelle plus. Et ben honnêtement, si tu me dis que ça c'est la version luxury, ouais. En termes d'options, hein, je te parle, en termes d'options de qualité, ouais. Je me rabats sur Skoda. Pourquoi Skoda? Ben Skoda, je trouve que c'est. Ils ont une qualité. Je suis monté dans la voiture d'un ami qui a une Skoda. Kodiak ou un Kodiak, c'est ouais. Ça, tu le connais, je crois, non? Ah oui, oui, mais attends, on n'est pas sur le même prix. On n'est pas sur le même prix, je te parle on est, de qualité. Non, mais oui, mais attends. Et lui, il n'avait pas pris l'option, il n'avait pas pris la version toute option. Oui, oui, mais attention, sa voiture a 60 000 balles aussi. Donc, 60 000 balles, est-ce que pour le coup, le peu d'équipement qu'il ouais, a. Mais j'ai pas envie d'acheter une voiture à 18 000 euros. Malgré que ça soit que 18 000. Non, mais après, tu peux donner plus. Je suis d'accord que c'est. Non, mais après, si c'est une histoire de prix non. Parce que c'est pas assez cher, non. Tu peux faire un chèque plus fort. C'est cher non. Pour les options qu'il y a. Comment ça, c'est cher pour ce qu'il y a? Attends. Bah, tu vois, par exemple, je te parle de ça. Tu vois, par exemple, les boutons là. Ouais. Les boutons, c'est des boutons, quoi. C'est pas. Bah, et tu veux que ça soit quoi? Je sais pas. On est en 2021 quand même. Ouais? Et ben. L'année prochaine, 2022? Il pourrait y avoir des trucs plus sympas quand même. Ouais? Je sais pas, non, après c'est peut-être moi qui chipote. Hein. Ouais, je crois que tu chipotes là. Parce que maintenant je vais t'emmener dans une. Allez, reva dans la départementale s'il te plaît. L'effet piano, il est sympa. Non, non, ça, alors. J'aimerais savoir dans 3 ans. Alors ça, tout simplement, c'est emprunté de la Mercedes. D'accord. Voilà. Hein, en fait, si tu veux, MG s'est dit, tiens, on va prendre quand même ce qui est pas mal chez les autres. On va faire un petit mid-check ouais. Et on l'a fait à notre sauce. Et pourquoi? Ouais, je sais pas. Et au final, ça sort super bien. Non, non, après, je te dis pas qu'elle est pas belle la voiture, je te dis pas qu'elle est pas sympa. Mais je te dis pour 18 000 euros. Ouais. Et de l'état compris. Ouais. Je m'attendais à quand même. Ça fait quand même. Ça veut dire que ça fait à peu près 23 000. C'est ça, c'est 5 000 euros. Ouais, ouais, 23 000. 23 000 euros. Ouais, 23 000. J'ai envie de voir. Tu sais combien elle coûte une Zoé? Une Zoé, tu sais ce que c'est la Zoé? Oui, non, je vois. La voiture toute moche là. Ouais. Qui est pas que ça. Ouais. À 28 000. Mais non, elle fait pas 28 000 euros. Ben, bien sûr que oui. Elle est beaucoup plus chère. Donc c'est pour ça que je te dis, là, dans toutes les voitures 100% électriques, MG, c'est la moins chère. Tu peux faire toute la concurrence que tu veux. Et attention, on compare avec. Va à gauche. Parce que je vais te faire quelque chose. Je fais pas de fellation. Non, mais parce que. Non, mais parce que tu. Là, je pense que ça sera peut-être l'argument qui va te faire changer d'avis. Parce que pour toi, elle n'a pas su beaucoup d'équipement, etc. Ouais. Eh ben, vas-y, roule. Attends, je roule à 50, c'est une route à 50. D'accord. Daniel, je vais te le dire, mais des fois que tu ne le saurais pas. D'accord. Voilà. Nous sommes à Bussière, c'est ça. Le régulateur de vitesse, c'est la manette sous la manette sous ouais. Les clignotants et tout. Ouais. Tu appuies un coup bref et après tu. Non, tu appuies. Non, appuyer. Ouais, j'ai appuyé. Regarde, appuie, ben ça, c'est ça.
Appuyer sur le bouton. Bah oui, sur le bouton. Regarde, maintenant tu lèves vers le haut pour mettre la vitesse que tu veux. Non, en fait des coups brefs. Ok. Voilà, lâche les pieds. Ouais. D'accord. Et lâche les mains. Et alors? Elle va faire un petit rappel pour demander à mettre la main. Donc, regarde, tac. Ok. Donc, ok, là il y a un virage. Ouais, mais elle balance quand même. Non, elle balance pas. Ouais, elle balance, frère. Bah non, j'aime bien. Par contre, c'est super bien. C'est super bien. Pour quelqu'un qui fait de la grande route et qui s'endormirait au volant, il peut le mettre ça en termes de sécurité et te dire à un moment où il lâche, quand même, quelque part, on peut lui sauver la vie. Ça peut lui sauver la vie. Je t'accorde que ça. C'est un argument de sécurité, pas de vente, de sécurité qui est bien. Je t'avoue. Et après, ils te demandent de mettre le volant de temps en temps. Par contre, ils auraient pu rajouter la vitesse adaptative par rapport au panneau. Alors, il y est, sauf que le véhicule que j'ai de près n'a pas été configuré. Mais sinon, ils l'ont, c'est prévu. En fait, il y a une reconnaissance des panneaux. Voilà, ouais. Tu vois. Et si tu as mis à 70, par exemple, là, il va voir, il va passer là, 70, regarde, boum. 70. Non, ah non, quand elle est passée. Ah si, non, 70, le panneau là-bas. Le panneau, si. Et en fait, normalement, il est prévu que, avec le régulateur de vitesse, il s'adapte à la limitation de la vitesse. Ouais, mais tu vois, ça pour le savoir, il n'y a que toi qui peux le dire. Enfin, le toi ou le revendeur. Non, parce que le client, on le fait découvrir au moment de l'essai. Parce que tu vois, là, je te ai envoyé faire la démonstration. Bah oui, parce qu'au début, on fait pas confiance. Alors attends, là, je ralentis, je me mets à 50. Voilà, 50. T'es à 40, là, 35. Ouais, c'est normal, il a des bons freins. Je te l'accorde, il a des bons freins. Ah, mais là, à 50, il veut pas. Non, parce que comme c'est en ville, t'es obligé de prendre le volant. Ouais. Ah, c'était pas là que t'habitais? Non, j'habite plus là, moi. Dans une MG. Voilà, juste pour info, au début, hein, il était un petit peu critique, et puis maintenant, tout est bon pour continuer à rouler. Hein. Non, c'est propre. Ben, il reste 145 bornes d'autonomie. Hein. Bah, malgré que depuis tout à l'heure, tu n'arrêtes pas de... On va les faire, et je fais le Google depuis tout à l'heure. J'avoue que je te l'accorde. Je te l'accorde, je fais le fou. On va la ramener chez les Corollus. Eh, t'as vu, ça fait Disneyland, elle a dit tout à l'heure. Ouais. Non, j'avoue, par contre, non, franchement, les accélérations, elles sont balèzes. Je le valide complètement. Les accélérations, elles sont top. Bon, bah, c'est pas mal. Ouais. Bon, on va aller prendre le café. Allez, on y va. On va aller prendre le petit café. Allez, zouf. Franchement, j'aime bien la boîte.